Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom chez vous, que le nom du Seigneur soit grandement béni. Nous sommes le dimanche 10 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que nous puissions voir cette belle journée, que nous puissions nous retrouver une fois de plus dans les réseaux sociaux pour partager la parole de Dieu. Vous savez, nous venons non pour la politique, non pour la musique de ce monde, non pour les actualités, mais nous venons pour la parole de Dieu. Nous devons nous sentir le plus heureux, frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous partageons la parole de Dieu, parce que beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce. Mais nous, moi et vous, nous avons eu cette grâce de partager la parole de Dieu, qu'il est doux, beau et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est par là que le Seigneur déverse la grande bénédiction. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour ces merveilleux moments, pour votre fidélité au Seigneur Jésus-Christ et aussi pour votre fidélité à votre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. C'est ici, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus est au centre de toutes choses. C'est ici que nous parlons que de Jésus et de Jésus, et nous finirons toujours par Jésus. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons nous régaler avec cette merveilleuse parole qui est tout simplement l'intelligence artificielle dans l'Église de Jésus-Christ. L'intelligence artificielle dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons essayer de définir c'est quoi l'intelligence selon Dieu, selon le monde. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle est entrée dans l'Église du Seigneur, ainsi de suite, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous allons nous régaler dans la présence du Seigneur. J'aime la parole de Dieu et je sais que vous êtes comme des bereins, vous aussi. Vous aimez la parole de Dieu, vous aimez vérifier les Écritures, vous voulez aller en profondeur des Écritures. Vous savez, frères bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus nous avançons vers la fin des temps, de plus en plus les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens ne voudront plus, frères bien-aimés dans le Seigneur, supporter la doctrine de Jésus-Christ. Si vous aimez encore la doctrine de Jésus-Christ, c'est que vous êtes vraiment de Jésus-Christ. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Merci au Seigneur qui renouvelle notre force. Merci Seigneur qui a renouvelé sa bonté. Merci Seigneur qui nous garde en forme. Merci Seigneur qui nous donne la santé, l'être et le mouvement. Merci Seigneur qui nous fait du bien. Et bien-aimé dans le Seigneur, le fait de se retrouver pour la parole de Dieu, ça nous fait du bien. C'est ça la nourriture qu'il nous faut. Jésus dit, ma nourriture, ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de faire là. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme spirituel a besoin de la parole de Dieu. L'homme charnel, le physique, a besoin de manger du pain. Mais ce que nous voulons manger maintenant, c'est pour l'esprit, frère bien-aimé, pour conforter notre esprit, bâtir notre esprit. Et ça, c'est très magnifique. Soyez grandement bénis. Seigneur, merci pour ces moments. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous laissons emporter par toi. Alléluia. Conduis-nous dans tes voies. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous, ô Dieu de gloire, dans la sainteté, dans ta parole. Conduis-nous, ô Dieu de gloire, parce que tu es digne. Sois loué, sois glorifié pour ces instants. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour cette belle opportunité du 10 avril, que nous puissions nous rassembler ensemble pour parler de ta part. Ouvre-nous l'intelligence, nos yeux spirituels, afin que nous puissions comprendre tes écritures. Merci pour le souffle de vie que tu accordes à mon frère, à ma sœur. Merci pour la force. Tu as dit dans ta parole, personne ne peut venir te chercher et retourner la même personne. Je n'ai jamais vu, alléluia, quelqu'un venir te chercher et retourner la même personne. Oh, toi qui écoutes nos prières, toutes les nations viendront à toi. Nous venons à toi avec nos problèmes, avec nos fardeaux, car nous savons que tu es celui qui donne la solution et tu donnes bien la solution. Sois glorifié, sois loué pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous exaltons ton nom, nous célébrons ton nom. Béni sois-tu pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Guéris ceux qui ont des problèmes de santé. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Ô Seigneur, enlève le fardeau dans le dos de ceux qui sont fatigués, de ceux qui ont de lourds fardeaux, Seigneur. Décharge mon frère, décharge ma sœur.
des charges des enfants, Seigneur. Oh, donne la solution pour ceux qui ont besoin d'argent, ceux qui ont besoin des papiers, ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans des démarches administratives. Seigneur, nous prions que tu agisses et que tu te manifestes. Glorifie ton nom pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Roi, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler sur l'intelligence artificielle dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, nous allons beaucoup plus parler de l'intelligence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la première question que je me pose, c'est quoi l'intelligence? Vous avez déjà entendu parler de ça, l'intelligence. Et des fois, on se dit, il est intelligent, il n'est pas intelligent, cet enfant est intelligent, cet enfant est moins intelligent, ce gars, c'est un homme intelligent. En quoi nous disons, il est intelligent, il n'est pas intelligent? Qu'est-ce qui nous donne comme indice pour qu'on dise que celui-là est intelligent, celui-là n'est pas intelligent? Frère bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement doit être suivi avec beaucoup d'attention parce que la notion de l'intelligence diffère par rapport à l'homme et Dieu. Vous voyez, l'homme et Dieu n'ont pas la même conception de ce qui est intelligence. C'est pour cela, lorsque nous disons que quelqu'un est intelligent, il faut faire très attention. Intelligent par rapport à l'homme ou intelligent par rapport à Dieu. C'est là où, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer de rester aujourd'hui afin que chacun de nous puisse comprendre. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, je vais le définir d'abord par rapport au monde. Quand vous ouvrez vos dictionnaires, qu'est-ce qu'on vous dit de l'intelligence? Eh bien, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre et de répondre aux besoins. Vous voyez, aux problèmes. Donc, quand on parle de l'intelligence, on dit que c'est une faculté. Vous voyez, c'est quelque chose que l'homme a. Et cette faculté, ça aide la personne à comprendre tout ce qui s'est fait tout autour de lui. Et non seulement à comprendre, mais à être capable de donner des réponses, de donner des solutions, de donner, en fait, des propositions. Quand vous dites à une personne, 1 plus 1 égale combien? La première des choses, pour que la personne vous donne la réponse, la personne doit commencer d'abord par comprendre 1. J'ajoute 1, et là maintenant, la personne peut vous donner la réponse égale 2. Donc, vous voyez que dans l'intelligence, c'est une faculté, une capacité que l'homme a de réfléchir, de poser le problème au fond de lui, enfin, d'abord, de comprendre ce qui est en train de se faire, et après avoir compris, de donner la réponse. Et je vais vous dire une chose, des personnes qui comprennent des choses, et qui répondent, le monde dit, voilà, ils sont intelligents. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils sont intelligents. Mais est-ce que c'est vraiment la même compréhension que Dieu? Non, ce n'est pas la même compréhension que Dieu. Selon la Bible, selon la conception de Dieu, il est intelligent, c'est lui qui comprend et qui observe la parole de Dieu, la loi de Dieu, les Écritures. En ce moment-là, cette personne-là est intelligente. J'ai dit, vous voyez déjà d'entrée de jeu, c'est que la notion de l'intelligence n'est pas la même entre l'homme et Dieu. L'homme, c'est celui qui a juste cette faculté de comprendre et de résoudre des problèmes. Tandis que Dieu, celui qui est intelligent, c'est celui qui comprend, qui a la compréhension des Écritures et l'observation de ces Écritures-là. Il suffit pas seulement de comprendre, il suffit aussi d'observer, en gros, d'appliquer, de vivre la parole de Dieu. Si quelqu'un ne vit pas la parole de Dieu, selon Dieu, cette personne n'est pas intelligente. Mais cette personne peut être capable d'inventer une fusée, peut être capable d'inventer un sous-marin, peut être capable d'inventer un avion, peut être capable d'inventer un véhicule, peut être capable d'inventer un médicament, ceci, cela.
Mais si cette personne n'a pas la compréhension de la parole de Dieu, si cette personne ne sait pas observer, vivre les Écritures, vivre la parole de Dieu, les hommes diront, il est intelligent, mais Dieu dira, c'est un fou, il est moins intelligent. Vous voyez, c'est une personne insensée. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons comprendre. Donc, la notion de l'intelligence est liée à la compréhension et l'observation de la parole de Dieu selon Dieu. J'aime beaucoup le psaume 119 parce que le psaume 119 met en exergue cela. Je suis au psaume 119 et je vais vous lire six versets rapidement. Le psaume 119. On va lire six versets rapidement. Je commence d'abord au verset 130. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Hallelujah. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que, oh, hallelujah, je reprends. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Cela veut dire, l'intelligence ici est liée à la parole, est liée à la révélation que nous pouvons avoir de la parole de Dieu. Celui qui a la révélation, celui qui a la parole de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, cette parole produira de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est là, c'est là. La haine du péché, la crainte de Dieu, s'éloigner du mal. Vivre la parole de Dieu. Ça, c'est très intelligent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas parler de l'intelligence et ne pas parler des Écritures, et ne pas parler de la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier les Écritures d'avec la parole de Dieu. Ça marche de pair, frère bien-aimé dans le Seigneur. Intelligence, selon Dieu, cela veut dire comprendre les Écritures. Intelligence, selon Dieu, c'est avoir la révélation des Écritures. La révélation, c'est quoi? C'est quelque chose que l'homme ne peut pas arriver à comprendre, mais Dieu va te révéler, Dieu va te les donner. C'est quelque chose qui va au-delà de l'imagination, de la capacité de l'homme. Cela veut dire, celui qui a l'intelligence, selon Dieu, c'est celui qui a reçu des choses que l'homme ne peut pas recevoir, des choses qui vont au-delà de la capacité de l'homme. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez être intelligent, vous devez chercher d'abord la parole de Dieu. La révélation de la parole est claire et donne l'intelligence. Ici, je parle de l'intelligence selon Dieu. Je suis au psaume 144, je suis au psaume 119, là où je suis toujours, le psaume 119 toujours, le verset 144. La Bible dit, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je le vive. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici on parle des préceptes. Des préceptes, c'est la loi. Des préceptes, c'est les Écritures. Des préceptes, c'est la parole de Dieu. Et ici, le psalmiste dit, donne-moi l'intelligence. Mais pourquoi cette intelligence? Pourquoi? Eh bien, l'intelligence pour que je vive ces préceptes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que l'intelligence, selon Dieu, est liée à sa parole. La manière dont nous observons cette parole et nous pratiquons cette parole. Si quelqu'un observe la parole de Dieu et pratique la parole de Dieu, cette personne est intelligente aux yeux de Dieu. Mais si cette personne n'observe pas la parole de Dieu, cette personne est insensée, cette personne est moins intelligente. Quand bien même il peut être capable d'inventer des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais devant Dieu, cette personne n'est qu'un insensé, une personne qui est moins intelligente. Je suis avec vous toujours dans le psaume 119, je lis avec vous les versets 125. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Hallelujah. Il dit, je suis ton serviteur, donne-moi de l'intelligence. Mais pourquoi Dieu va lui donner de l'intelligence? Il dit, pour que je comprenne tes préceptes. Je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, que l'intelligence est liée aux préceptes. L'intelligence est liée à la parole de Dieu. Donc, si vous êtes une personne qui est hors la parole de Dieu, loin de la parole de Dieu, si vous êtes une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, si vous êtes une personne qui néglige la parole de Dieu, vous n'êtes pas intelligent. Devant Dieu, vous êtes un insensé. Vous êtes moins intelligent. Quels que soient vos diplômes, quels que soient vos masters, quels que soient vos doctorats, quels que soient, en fait, tout ce que vous faites, comment les gens vous jettent des fleurs, un homme intelligent,
Non, mais voilà. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes intelligent aux yeux de ces hommes-là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ici, dans le psaume 125, il dit clairement, donne à ton serviteur l'intelligence. Pourquoi? Pour qu'il observe les préceptes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dirais que vous êtes intelligent lorsque vous allez commencer à observer les préceptes de Dieu. Si vous n'observez pas les préceptes de Dieu, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas intelligent. Je suis toujours dans le psaume 119. C'est ce psaume qui lie beaucoup la notion de l'intelligence selon la pensée de Dieu. Le psaume 119, je lis les versets 73. 73, la Bible nous dit: Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Oh, hallelujah! Ici, le psalmiste, frère bien-aimé dans le Seigneur, reconnaît qu'il a été créé par Dieu et que c'est Dieu qui est son créateur. Et lorsqu'il a un problème dans la compréhension, dans l'application des commandements de Dieu, regarde l'intelligence que le psalmiste a. Il retourne vers son créateur pour demander à son créateur de lui donner de l'intelligence afin qu'il applique les commandements de Dieu. Vous voyez, pour que j'apprenne tes commandements, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un n'est pas intelligent, c'est pas un problème. Vous n'avez qu'à demander à Dieu de l'intelligence. Beaucoup de gens n'avaient pas de l'intelligence. Ils ont demandé à Dieu et Dieu les a accordé de l'intelligence. Donc, vous ne serez pas la première personne à demander de l'intelligence à Dieu. Vous voyez, vous serez au contraire dans la liste de ceux qui ont compris les choses et qui ont demandé réellement du vrai intelligence à Dieu. Et ils sont bénis. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, demande de l'intelligence à Dieu et demande de l'intelligence selon Dieu. Oui. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de l'intelligence pour fabriquer quelque chose pour le monde d'aujourd'hui? Ce n'est pas interdit. Vous allez vous souvenir, Dieu, par exemple, il parle à Moïse, il dit, j'ai rempli telle personne de l'intelligence pour qu'il soit capable de fabriquer tel objet. Dieu peut donner aussi de l'intelligence pour que nous puissions arriver à résoudre les problèmes quotidien que nous avons pour que nous puissions inventer des choses. Dieu est capable. Dieu a rendu Joseph intelligent au point où Joseph était capable de savoir qu'il y aura des temps difficiles qui viendront par après. Et Joseph a eu le discernement, l'intelligence pour faire des provisions afin que ces provisions puissent les aider pendant les temps difficiles. Vous savez l'histoire de Joseph en Égypte. Dieu peut donner de l'intelligence. L'intelligence pour que nous puissions l'appliquer dans notre monde d'aujourd'hui. Vous avez besoin de l'intelligence de Dieu pour appliquer des bonnes résolutions dans votre famille, dans votre couple. Vous avez besoin de l'intelligence de Dieu là où vous allez au travail, à l'école, ainsi de suite. Ce n'est pas un problème. Là, Dieu peut vous accorder aussi. Mais l'intelligence dont je suis en train de parler, excusez-moi, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'intelligence qui est liée à la crainte de Dieu. Et je dirais même c'est la plus importante parce que si vous n'avez pas cette intelligence, vous êtes nul. Si vous n'avez pas cette intelligence, vous ne valez à rien. Si vous n'avez pas cette intelligence, ça ne sert à rien, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que l'intelligence ici est liée au commandement. Vous avez l'intelligence, vous pouvez apprendre les commandements de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas la parole de Dieu, ne comprennent pas les Écritures parce qu'ils sont moins intelligents. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils disent que non, je suis diplômé d'État, j'ai mon master, je suis très intelligent. Mais oui, cette intelligence-là, c'est pour la vie quotidienne, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour devant Dieu. Devant Dieu, vous n'êtes pas intelligent. Devant Dieu, ce qui peut vous rendre l'intelligent, c'est l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas de l'intelligence, vous croyez que vos mathématiques que vous avez apprises à l'école, vos sciences que vous avez apprises à l'école, ça va vous rendre intelligent. Vous vous trompez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous amenez un docteur, alléluia. Regardez Nicodème, docteur de la loi, très intelligent devant les hommes. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus lui dit, Nicodème, toi, il te faut naître de nouveau. Cette équation a bloqué Nicodème.
Bien-aimé, l'équation a bloqué Nicodème, grand docteur de la loi, respecté par tout Israël, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus lui a fait juste une petite équation. Ça a bloqué Nicodème. Nicodème dit, mais comment moi, un vieux avec des barbes blanches comme ça, ce gars va me dire de retourner dans le ventre de ma mère. Je ne sais même pas quelle est cette procédure qui va me retourner dans le ventre de ma mère. Comment est-ce que je vais vivre dans le ventre de ma mère et comment je vais ressortir encore? Quand est-ce que je vais grandir encore? Cette équation a dépassé carrément Nicodème. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'avait rien à voir avec ces raisonnements. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Votre façon de concevoir des choses, ce n'est pas la façon de Dieu de concevoir des choses. Jésus parlait justement de la nouvelle naissance. Comment une personne peut naître de nouveau, refaire une vie en Christ selon ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nicodème n'a pas compris l'équation. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, donc il faut bien vérifier. Oui, vous êtes intelligent, vous êtes rempli, imbu de vous-même, mais sachez que cette intelligence que le diplôme donne, que l'école donne, n'a rien à voir avec l'intelligence que je suis en train de parler. L'intelligence, selon Dieu, est liée aux Écritures. Et seulement les Écritures, la loi de l'Éternel, les préceptes de Dieu, le commandement de Dieu, qui peuvent te donner de l'intelligence. Je suis dans le psaume toujours 119, c'est là où on parlait beaucoup de l'intelligence. Je suis dans le verset 100. La Bible dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Oh, hallelujah, oh, merveilleuse parole. Il dit, j'ai plus de l'intelligence que les vieillards. Pourquoi il s'est dit, il est intelligent? Il dit, car j'observe tes commandements, tes ordonnances, ta loi. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ta parole. Vous voyez, c'est lorsque on observe la parole de Dieu, lorsqu'on vit la parole de Dieu, qu'on peut se dire on est intelligent. Lorsqu'on ne vit pas la parole de Dieu, on est insensé. On est moins intelligent. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je crois que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Je suis dans le psaume 119, le dernier verset de ce psaume 119, le verset 34. Voilà, le verset 34. La Bible dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Vous voyez, frère bien-aimé, donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. C'est celui qui est intelligent selon Dieu qui peut observer la loi de l'Éternel. C'est celui qui est intelligent selon Dieu qui peut garder les commandements de Dieu. C'est celui qui est intelligent selon Dieu qui peut comprendre ce que je suis en train de dire. Les insensés ne comprendront point, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire. En fait, ici, nous sommes dans une dimension très élevée de la compréhension de la parole de Dieu. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de séparer ce qui est terrestre, ce qui est spirituel, ce qui est utile et ce qui est inutile, ce qui est primordial, ce qui restera éternellement, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, frère bien-aimé, ce que je suis en train de dire, l'intelligence que je suis en train de dire, vient de Dieu, ça vient en toi et ça va vous amener dans l'éternité. J'ai dit, l'intelligence dont je suis en train de parler, ça vient de Dieu et ça vous amènera dans l'éternité. Mais l'intelligence que nous avons à l'école, l'intelligence que nous apprenons, à un moment donné, votre cerveau sera vieux, ça n'arrivera plus à réfléchir et ce cerveau va retourner à la poussière et puis c'est tout. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, l'intelligence, c'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous devez être attaché à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les chaque qui joue, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas de la parole de Dieu. Les gens veulent de cet évangile bon marché. Les gens veulent de cet évangile
Tralala. Les gens veulent de cet évangile qui n'a ni queue ni tête. Les gens veulent de cet évangile qui fait réjouir les cœurs. Les gens veulent de cet évangile agréable à l'oreille. Les gens veulent de l'évangile qui vous caresse dans le sens du poil. Les gens veulent l'évangile mensonger. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et là, ça pose problème. Nous devons retourner dans le basse, dans les Écritures. Nous devons vivre la parole, retourner dans les enseignements véritables de Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé, le problème, c'est que les gens ont perdu l'enseignement de Jésus. Nous devons retourner dans les enseignements de Jésus. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole veut exactement? Et vous allez voir, les gens deviendront intelligents. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième question que je me pose, c'est quoi l'intelligence artificielle? Vous en avez déjà entendu parler, l'intelligence artificielle, l'intelligence. Partout aujourd'hui dans le monde, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je vais définir l'intelligence artificielle dans deux dimensions. Dans la dimension 1, première, je vais parler par rapport au monde, qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle? Je parle aussi dans la dimension spirituelle, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ouvrez grandement les oreilles parce que je vais vous dire des choses, je crois bien aimé dans le Seigneur. Voyez, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on donne à une machine, grâce aux algorithmes, d'agir comme un humain. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. J'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on donne à une machine, grâce aux algorithmes, d'agir comme un humain. L'homme a développé sa science. L'homme a développé ses techniques. L'homme, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, veut créer des machines à son image. En fait, l'homme dit, je suis fatigué, je ne vais pas répéter les mêmes tâches tout moment, je ne vais pas continuellement faire de telles choses, j'aimerais éviter de telles erreurs, ainsi de suite, j'aimerais faire quelque chose qui peut aller là où moi je n'arrive pas, ainsi de suite. C'est là où la notion de l'intelligence artificielle arrive. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, va créer des machines et dans cette machine, il va programmer. Lorsqu'on parle des algorithmes, les algorithmes, ce sont des instructions programmées, voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour que une machine ou bien un programme, quelque chose, puisse exécuter exactement ce qu'on lui demande. Oh yes, que Dieu soit béni. Je vais faire un peu les ristats des, comment on dit, de notre caméra. Ça va nous aider à repartir encore bien-aimé dans le Seigneur pour quelques minutes. Que Dieu soit béni. Nous parlons de l'intelligence artificielle dans les jours, dans l'Église de Jésus-Christ. Frère bien-aimé, j'ai parlé des algorithmes. Je bénis le Seigneur parce que moi, je fais les études informatiques à la base. Donc, voilà, j'ai un diplôme d'analyse programmaire en informatique, frère bien-aimé, je comprends ce que je comprends en fait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça a commencé par des programmes. En fait, quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a derrière un programme. Vous voyez? Et le programme, c'est quoi? C'est les algorithmes que nous écrivons. Les algorithmes, c'est quoi? Ce sont des instructions que nous étalons, vous voyez, que nous programmons. Nous disons, bon, si tu vois telle chose, tu fais ça. Si tu vois telle chose, tu fais ça. Si tu ne vois pas ça, tu vas aller ici. Si tu es bloqué ici, essaye de tenter ici. En fait, ce sont les instructions. Quand vous réunissez ces instructions, qui est en fait le fruit d'une analyse, c'est-à-dire on prend le temps par rapport à tel besoin, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous posez des questions, vous posez des questions et vous commencez à répondre à ces questions dans tous les contours.
qui tourne cette question, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et vous mettez les algorithmes, c'est-à-dire les instructions auxquelles l'ordinateur pourra comprendre dans un langage de programmation, bien sûr, et le programme va commencer maintenant à se comporter exactement comme vous lui avez dit. En fait, vous avez pris votre intelligence, vous avez donné à la machine, et la machine va commencer à raisonner comme vous. Si quelqu'un vient, il lui dit passeport. Il met le passeport. Date de validité, il met la date de validité. Date de délivrance, il met la date de délivrance. Qu'est-ce que la machine va faire? Vérifie si la date de validité est conforme. Vérifie telle chose. Si ça, c'est conforme, il dit OK, passez à une autre chose. En fait, vous êtes en train de discuter avec la machine. Mais pourquoi vous discutez avec la machine? Parce qu'il y a un homme qui a donné des instructions à la machine. Vous voyez, en fait, l'intelligence que la machine développe, c'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence programmée. C'est de l'intelligence où il y a des instructions, où l'homme lui a donné. Aujourd'hui, il y a même ce que je disais dernièrement, des avions, comment vous appelez ça, des drones équipés même des armes, où ces drones peuvent aller jusque dans le champ de bataille et ces drones peuvent prendre même des décisions de lâcher des bombes, de bombarder, bien aimé dans le Seigneur, sans l'intervention de quelqu'un. Vous imaginez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire le drone va décoller, va aller dans sa cible, va faire des analyses soi-même, hein, et puis va lâcher même une bombe et retourner sans l'intervention d'une personne. Pourquoi cette drone a été programmée? Mais la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine proprement dite, c'est que l'intelligence artificielle est limitée par des instructions qu'on l'a données. Si on l'a dit 1 plus 1 égale 2, eh bien, 1 plus 1 pour elle, ça sera 2. Vous voyez? Mais tandis que l'homme a la faculté d'aller au-delà, c'est-à-dire de faire un petit jugement. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Vous voyez? Si on donne par exemple une instruction à l'intelligence artificielle. On dit, celui qui a reçu une balle, eh bien, laissez-lui. L'homme qui est différent de l'intelligence artificielle peut avoir un jugement plus que ça, de comprendre, oui, la personne a reçu la balle, mais c'est comment, c'est-à-dire aller poser encore d'autres questions plus approfondies. C'est ça la différence, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'intelligence artificielle, je disais, c'est la capacité qu'on donne à une machine et cette machine va exécuter grâce aux algorithmes, grâce à la programmation, aux instructions qu'on lui a données, d'exercer quelque chose pour le compte des humains, comme un humain. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, spirituellement aussi, frère bien-aimé, parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, frère bien-aimé dans le Seigneur, a des sens déjà sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, frère bien-aimé dans l'intelligence, eh bien, il y a déjà de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de l'intelligence selon Dieu, c'est la capacité de comprendre les Écritures et de vivre les Écritures. C'est ça l'intelligence spirituellement selon Dieu. Oh, il s'est fait que, bien aimé dans le Seigneur, le diable a amené l'intelligence artificielle. Cela veut dire quoi? Le diable a reprogrammé les gens, non selon Dieu, mais selon lui, pour que les gens, en fait, n'aient pas la compréhension des Écritures et que les gens ne vivent pas aussi les Écritures. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à vivre l'essence contraire de ce que Dieu veut, en fait, Dieu. Quand tu parles de l'intelligence, quand tu nous dis d'être intelligent, il nous amène dans la compréhension et vivre l'observation de sa parole. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, lui, il amène de l'intelligence artificielle. En fait, il vous emballe dans sa façon pour que vous puissiez, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas vivre la parole de Dieu et aussi ne pas avoir le goût de la parole de Dieu. En fait, le diable est en train de reprogrammer les gens. En fait, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la reprogrammation des gens. J'ai dit, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la reprogrammation. Les gens sont reprogrammés par Satan. Et bien, lorsqu'ils sont reprogrammés par Satan, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus le goût de la parole, ils n'ont plus
à se faire des choses de Dieu, ils sont devenus ennemis de Dieu. Et vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens. Vous allez dire, le pasteur est en train de raconter des choses. Non, je ne raconte pas des choses. Je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens au chapitre 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À partir du verset 3. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, la Bible les appelle les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ces siècles, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence, c'est-à-dire il a reprogrammé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable a reprogrammé l'intelligence des gens. Il a donné de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire lui-même, il a programmé, il a donné des instructions, il a fait ses algorithmes et il a introduit ça dans la tête des gens, frère bien-aimé. Par conséquent, les gens sont devenus aveuglés. Ils ont de l'intelligence déformée, troquée, de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ à l'image de Dieu, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Vous devez vous poser la meilleure question aujourd'hui. Est-ce que Satan a déjà réussi à introduire l'intelligence artificielle dans ma vie? Est-ce que l'intelligence que j'ai là, est-ce que c'est l'intelligence selon Dieu ou c'est l'intelligence artificielle que le diable a programmée, frère bien-aimé? Les indices ou la chose qui peut montrer que vous avez déjà l'intelligence programmée, c'est lorsque vous ne comprenez plus les Écritures, c'est lorsque vous n'aimez plus les Écritures, c'est lorsque les Écritures ne vous intéressent plus, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu deviennent compliquées, difficiles, deviennent un fardeau pour vous. C'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, votre intelligence ne vous met pas un frein pour ne pas vivre le péché. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous dites, je suis chrétien, mais vous vivez dans le péché, dans le mensonge. Vous dites, je suis chrétien, mais vous êtes toujours dans l'ivresse. Vous dites, je suis chrétien, mais vous vivez toujours avec la femme d'autrui, les maris d'autrui. Vous dites, je suis chrétien, mais vous vivez toujours dans les magouilles. Vous dites, je suis chrétien, mais vous vivez toujours en désordre. Vous dites, je suis chrétien. En fait, le diable a aveuglé votre intelligence. Il vous a reprogrammé. Vous avez une sorte d'intelligence artificielle que le diable a mis en vous. Vous suivez les instructions. Et ces instructions-là disent ceci. Vous pouvez aller à l'église, mais continuer à demeurer païen. Voyez, voilà. Vous pouvez aller à l'église et continuer à demeurer païen. Je dis, vous pouvez aller à l'église, mais continuer à demeurer païen. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons les gens qui fréquentent les églises, qui donnent même l'argent à l'église, qui ont des engagements à l'église, mais qui sont des païens, des païens, frères bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur intelligence est obscurcie, leur intelligence est troquée, leur intelligence a été reprogrammée par Satan. Leur intelligence, bien-aimée dans le Seigneur, est tout simplement aveuglée. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque dans un ordinateur, le virus entre, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, il faut tout simplement amener un antivirus. Sinon, rien ne se passera encore comme auparavant. Beaucoup de gens ont déjà reçu ces programmes artificiels de Satan, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà, ils ont maintenant l'intelligence aveuglée. Je suis dans Romains au chapitre 1. Lisons dans Romains, frère bien-aimé dans le Seigneur. Chapitre 1. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 21. Romains chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbres. C'est
tout à fait normal. Lorsqu'il n'y a pas l'intelligence, le cœur ne peut se retrouver que dans le ténèbre. Parce que lorsqu'il y a l'intelligence, le cœur reste 100% dans les Écritures, 100% dans la lumière, 100% avec Dieu. Mais lorsque cette intelligence n'est plus, c'est-à-dire il y a carence de la parole de Dieu, c'est-à-dire les Écritures n'est plus dans la personne, eh bien la personne sera aveuglée. La personne va se retrouver avec un cœur tout simplement plongé dans les ténèbres, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ont des cœurs plongés dans les ténèbres. Lorsque le diable va reprogrammer quelqu'un, il va aveugler sa vraie intelligence. Il va plonger sa vraie intelligence dans les ténèbres. En fait, le diable maintenant va programmer cette personne à être légère, à être une personne superficielle, à être une personne vivant dans le péché, à être une personne vivant dans la permission, à être une personne vivant dans le désordre, à être une personne vivant dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, tout en croyant que je suis toujours dans la foi. Triste frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes dont l'intelligence plongée dans les ténèbres. C'est-à-dire, cette personne-là peut se croire intelligente, mais son intelligence est obscurcie, plongée dans les ténèbres. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est une intelligence plongée dans les ténèbres. Et une personne qui a une intelligence plongée dans les ténèbres, vous ne pouvez rien s'attendre de lui qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu, qui peut lui amener au ciel. Non. C'est une personne bien-aimée que le diable amène doucement, petit à petit, vers l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, il y a des raisonnements qui se disent. Vous regardez comme ça, vous dites, il y a un problème. Quelqu'un qui se lève, il prêche que non. La masturbation, ce n'est pas un péché, c'est un processus normal de la vie d'une personne. Il y a un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Son intelligence est plongée dans les ténèbres. Il est aveuglé, frère, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez? Quelqu'un qui se lève, qui se dit, non, l'avortement, c'est pas un problème, l'avortement, c'est pas un problème. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on prend la décision d'arrêter une personne, de tuer une personne, frère bien-aimé dans le Seigneur, et on dit, non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. C'est parce qu'on a l'intelligence obscurcie, plongée dans les ténèbres, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui prennent l'alcool jusqu'à devenir ivres, frère bien-aimé, ils disent non, ce n'est pas un problème. Dieu ne regarde pas nos péchés. Dieu... En fait, des personnes avec des raisonnements, quand vous les entendez comme ça, vous dites ces gens sont normaux. En fait, nous sommes dans un temps où on ne sait pas quelle est notre droite, quelle est notre gauche, un temps de confusion, un temps, bien-aimé, je ne sais pas. En fait, tu entends les raisonnements de quelqu'un, tu dis c'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible parce que. En fait, le diable l'a reprogrammé. En fait, c'est ça, le diable l'a reprogrammé. Il a l'intelligence artificielle. C'est une intelligence qui est venue du diable, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui change de mari, comme vous savez, et ça ne dit même rien, frère bien-aimé dans le Seigneur. On a été marié ici, on a divorcé là, on s'est remarié ici, on a divorcé là, on s'est remarié, et puis on va dire, oui, c'était la volonté de Dieu. Nous avons aujourd'hui des gens malades, frère bien-aimé dans le Seigneur. En fait, il y a un problème, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, les portes du ciel est en train de s'enfermer. Je dis les portes du ciel s'enferment sur les gens. Vous voyez, frère? Parce que leur intelligence, c'est vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Vous voyez, frère, bien le dans les... C'est vantant d'être sage, ils sont devenus tout simplement fous. Je dis, ils se croient être sages, mais ce sont des fous. Dieu les voit, ce sont des fous. Je suis dans Éphésiens. Je suis dans Éphésiens au chapitre 4. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, les versets 8. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, les versets... J'ai oublié ces versets. Ce n'est pas les versets. Alors, je commence à partir du verset 17. La Bible dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de cœur. La Bible dit que non, le païen, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'intelligence obscurcie dans les ténèbres, plongée dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelle intelligence, frère bien-aimé dans le Seigneur? La grande question, c'est quelle intelligence? Quand vous dites, je suis intelligent, mon fils est intelligent. Enfin, nous sommes une famille intelligente. Oui, par rapport à quoi? Aux hommes? Celui qui a fait des techniques pour l'avortement, frère bien-aimé, aux yeux des hommes, c'est intelligent. Mais devant Dieu, c'est un fou. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a créé une bombe nucléaire pour tuer les gens. Devant les gens, oh, il est intelligent. Mais devant Dieu, c'est un fou. Vous pouvez être intelligent devant les hommes, mais être fou devant Dieu. Les deux notions ne se ressemblent pas. Les deux notions sont complètement différentes dans les racines, dans les bases. L'intelligence, selon Dieu, a lien avec les Écritures, la compréhension et l'observation des Écritures. Voilà, quand vous lisez ces versets, il dit que vous marchiez autrefois comme des païens dans la vanité de vos pensées. Quand vous venez à l'église avec cette pensée, avec cette intelligence troquée, avec cette intelligence mauvaise, c'est intéressant ce que je vais dire et je vais finir par là, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Vous venez de l'église, vous étiez païen, vous aviez votre intelligence là, vous venez dans l'église, qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui doit se faire quand vous venez dans l'église? Éphésiens 4. Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire les versets à partir du verset 17. On va lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance manque de la parole de Dieu. De l'endurcissement de leur cœur. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés dans la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Si du moins vous l'avez entendu de la parole de Dieu et conformément à la vérité, à l'évangile qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Dépouiller veut dire quoi? Débarrassez-vous de votre intelligence artificielle que Satan vous a donnée. Débarrassez-vous de votre intelligence que vous avez ramenée dans le monde. Il dit, y égare à la vie passée, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Il parle de votre vie passée. Débarrassez-vous de cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est de l'intelligence artificielle que Satan vous a programmée. J'aime le verset 23. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Cela veut dire, lorsque quelqu'un qui était païen vient dans l'église du Seigneur, il ne peut pas continuer à vivre de la même façon, il ne peut pas continuer à rester la même personne. Dieu doit reprogrammer son intelligence, alléluia. Dieu doit reprogrammer, renouveler, Dieu doit enlever l'intelligence artificielle de Satan pour mettre maintenant la vraie intelligence qui est fondée sur la crainte de Dieu, la compréhension et l'observation de la parole de Dieu. C'est ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. À être revêti et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Créer ce... Oh, le verset 24 est magnifique. Et à revêtir l'homme nouveau
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la justice, la sainteté qui produit quoi? La vérité, c'est quoi? C'est Christ. La vérité, c'est quoi? C'est l'évangile. Le problème, c'est que, frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont venus dans l'Église, mais ils ont refusé d'être renouvelés dans leur intelligence. Ils sont venus dans l'Église avec la mentalité de la cité. Ils sont venus dans l'Église avec l'intelligence de la cité. Ils sont venus dans l'Église avec les choses du monde. Ils n'ont pas laissé Dieu, en fait, renouveler, changer les programmes, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont amené de l'intelligence artificielle développée par Satan, programmée par Satan, pour que les gens vivent dans le monde, dans les péchés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas laissé Dieu le temps d'enlever ces programmes. Ils n'ont pas laissé Dieu le temps. C'est pour cela aujourd'hui nous avons une église de calominateurs, une église de ruseux, une église bien-aimée de tous les repères diaboliques. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas laissé assez que Dieu puisse renouveler notre intelligence. Le méthode qu'on a utilisé dans le monde, ce sont les mêmes méthodes qu'on vient utiliser dans l'église. La vie qu'on a menée dans le monde, c'est la même vie qu'on vient mener dans l'église. On est toujours, en fait, à la quête d'argent. La cupidité, frère bien-aimé dans le Seigneur. La cupidité. On peut mentir pour l'argent, on peut faire voilà, on peut tripoter les choses pour l'argent, on peut tout faire pour l'argent, frère bien-aimé dans le Seigneur. On peut vivre comme on veut, dans la licence, dans la liberté totale, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est un chaos qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été renouvelé dans l'intelligence. Ephésiens, bien-aimé dans le Seigneur, 83 est très, 83 est très important. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le renouvellement est important, frère bien-aimé. Lisons dans. On va lire un verset dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. Au chapitre 3, Pierre dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Oh là là, j'aime ça. Il dit, je cherche à éveiller par les avertissements votre sainte intelligence. Cela veut dire, ceux qui sont en Jésus-Christ, leur intelligence, c'est une sainte intelligence. Or, la sainte intelligence ne peut pas avoir la pensée du monde, la pensée du péché, la pensée diabolique, ne peut pas être programmée par Satan. La sainte intelligence, ça produit la sainteté. Et qu'est-ce qui peut éveiller la sainte intelligence? Ce qui éveille la sainte intelligence, c'est la parole, c'est ces lettres que Pierre a écrites, qu'aujourd'hui nous parlons, ce sont des épîtres, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu va éveiller votre intelligence. La parole de Dieu va stimuler votre intelligence. La parole de Dieu va encourager votre intelligence. La parole de Dieu va apporter un plus à votre intelligence. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous devons avoir la sainte, frère bien-aimé, intelligence. Intelligence. La sainte intelligence. Oui, de la parole de Dieu. Par ses écrits, par ses avertissements, j'ai fait, frère, on peut laisser son intelligence être éveillée par la parole de Dieu. On peut laisser son intelligence être éveillée par la parole de Dieu, frère. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes à ces jours. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur.
Transforme-nous, renouvelle notre intelligence. Nous ne voulons pas de l'intelligence artificielle du diable qui est plongée dans les ténèbres, qui est plongée, aveuglée, obscurcie. Nous ne voulons pas de cette intelligence, Seigneur. Nous ne voulons pas de cette intelligence qui nous fait marcher dans les ténèbres, dans le péché. Oh Seigneur, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions atteindre la sainte intelligence des dieux, la sainte intelligence des dieux, la sainte intelligence de Dieu, afin que nous puissions produire ce qui va te plaire. Bénis ces instants, bénis mon frère, bénis ma sœur. Accorde-nous ta bonté, accorde-nous la force, accorde-nous à être différents. Donne-nous ton intelligence, Seigneur. Nous supplions, nous te supplions, Seigneur. Donne-nous ton intelligence pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ces instants, au nom puissant de Jésus. Amen. Sois grandement béni, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'était magnifique d'avoir des temps comme ça avec vous. Ça nous a boosté, ça nous a réjouis. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole de Dieu. Ici, nous avons dit 100% Jésus-Christ. Ici, c'est 100% gratuite. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne viens pas pour vous caresser dans le sens du poil. Je viens vous donner la parole qui vous amènera au ciel. C'est pour cela que je suis toujours dans l'enseignement. Les gens me posent la question, pourquoi tu ne vas pas dans ça? Ça, je dis non. Dieu m'a appelé pour enseigner le peuple de Dieu. Celui qui a besoin d'enseignement mangera dans la table du Seigneur. Celui qui veut aller écouter les tralala, vous savez là où trouver ça. Mais ici, nous allons parler de Jésus. J'ai dit merci au Seigneur pour vous tous qui nous soutenez, vous tous qui êtes présents dans les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube. Voici les 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Soyez grandement bénis. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens matériels, financiers. Si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, de nous soutenir, faites-les avec joie. Priez surtout aussi pour nous. Je salue tous les vaillants combattants, tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, ceux qui sont là. Je vous aime. Je vous bénis dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus, recevez la bénédiction de Dieu. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous revoir encore. Mais si le Seigneur revient, je vous donne rendez-vous au ciel. Alléluia. Nous allons nous rencontrer dans la présence du Seigneur. Et nous allons passer toute notre éternité louant Dieu, glorifiant Dieu, adorant Dieu, parce qu'il est magnifique. Restez dans la paix du Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.